Il y a un mec qui rentre là. Il y a un mec qui rentre. Je vais le laisser rentrer. Il est avec le pied de biche. Il est avec le pied de biche. Et je fais quoi? Je fais vente? Je fais quoi? Mettre porte-clé, c'est ça? Non, non. En fait, si tu veux, t'équipes tes clés. Il est rentré. Attends, putain, il est rentré. Il est rentré, il est rentré. Vas-y, je vais le laisser. Je vais le laisser. Il est à l'ascenseur là. Ouais, ouais. Ouais, et je fais comment alors? Ouais, bouge pas, jette ton arme. Il y a des tirs là. Ouais, c'est bon, je l'ai niqué parce qu'il avait une arme. J'avais dit de pas bouger, tu vois, je l'ai niqué en bas à l'ascenseur. Putain, le mec, j'ai dit de pas bouger. J'ai dit de jeter son arme. Il a pas voulu jeter son arme. En fait, si tu veux, tu prends tes clés avec la molette. T'équipes tes clés. Et tu fais clic droit sur la porte pour la fermer à clé. Et clic gauche pour l'ouvrir. Attends, clé. Okay. Voilà. Vas-y. Pour fermer à clé, tu fais clic droit sur la porte. Et pour l'ouvrir, tu fais clic gauche. Ou vice versa. J'arrive, j'arrive. Attends, moi j'ai combien dans les prints? J'ai 2-3 000, tu peux en acheter une grâce à mes prints. Non, mais c'est pas le problème, j'ai assez d'argent. Mais ça me fait chier à chaque fois de dépenser dans les prints et tout, je suis tout le temps en train de les faire péter, tu vois. Je vais en racheter juste un, je vais en prendre deux. Voilà, putain, je vais pas oublier le ventilateur cette fois-ci. Voilà, c'est bon, impeccable. Putain, mes caméras, elles ont explosé. Mais quand t'es parti, ouais. Merde, vas-y, je vais en reposer une vite fait. Je vais aller la mettre en bas. Je fais gaffe parce que s'il y a l'autre qui est revenu, normalement il peut pas revenir parce qu'il est en zone de NLR, donc c'est bon. Y'a personne. Je vais mettre une caméra. Je vais la mettre là-haut. Là, il te manque plus qu'un truc et c'est bon, on peut y aller. Déjà, putain, je vais fermer la clé. Ah, je peux pas fermer la clé, merde. Salut, toi. Ouais, salut. Bonjour. Ça va? Y'a un mec en bas? Ça va, tranquille. Ouais, y'a un mec en bas, c'est un gangster. Ok, la famille. Ça va, ça va. Ouais, j'arrive. Tu peux venir? Tu veux venir pour quoi faire? Je suis ton patron, tu veux travailler pour moi? Comment ça? Voilà, je peux travailler pour toi, tu veux travailler pour moi ou pas? J'ai pas de patron, moi, j'ai pas de patron. Moi, je suis mon propre patron. Ok. Par contre, si tu veux te joindre à nous, pas de problème. Ok, tu veux, hein? Voilà, si tu veux te joindre à nous, tranquille. Tu veux venir? Attends, bouge pas, parce que là... C'est quoi ça, hein? Bouge surtout pas. Ah, une caméra, tu... C'est une caméra. Voilà. Je vais la mettre en haut. Je vais la mettre à l'appart. Non, elle est avec moi, elle est avec moi. Génard, attends. Ouais, mais attends, je ferme la porte. Merde, et y'a moyen que tu ouvres pour que je mette la télé là? Ah ouais, mais je suis en bas. Mais tu peux ouvrir, t'as les clés, hein. Bah, c'est bizarre, je peux pas ouvrir. J'ai pas accès, moi, pour ouvrir. En fait, c'est toi le propriétaire, c'est toi qui dois ouvrir. Moi, je peux juste cohabiter. Ouais, mais je peux pas. Moi, je peux pas avoir accès. Entrez, voilà. Monsieur. Yes, impeccable. Vas-y, après on va tout de suite voir les maisons. Vas-y, vas-y. Voir ce que dit un peu les prints. Il y a du monde en bas à la porte là. Il y a deux gangsters en bas à la porte qui nous attendent là. On va les défoncer ceux-là. Là, on va les défoncer. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y, j'ai pris mon flingue. Attends. Voilà, c'est bon. On a des petits amis à l'entrée. On a de la compagnie. J'ai pas pris une arme. Vous avez pas une arme pour moi? Non, non, là franchement. J'ai pas d'arme, moi j'ai juste le flingue, moi. Ok. Vas-y, on va les faire bouger là. Je crois qu'ils ont bougé tout seul. Ouais, c'est bon, ils ont bougé. Vas-y, on bouge. On va chercher une baraque. Merde, attends, putain, par contre. Ok. J'avais mon flingue dans les mains, moi. Oh, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, oui, oh, qu'est-ce qu'il fait toi? Vas-y, dans le garage. Les gars, dans le garage. Je vais le débusquer. Vas-y, venez les gars, dans le garage. Dans le garage, les gars. Oh, comment que tu as mis un headshot? Oh, comment qu'il a pris cher. Il avait 30 balles, il avait 30 balles sur lui. Je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il voulait. Vas-y, viens si tu veux. Ah, nous on est à la mafia gangster, alors faut pas nous chercher. Vous avez combien de vies? Parce que moi il m'a rembarrassé de la vie. Hein. Salle de shoot, médecine douce, coffee shop. C'est plutôt pas mal là-dedans. Ouais, vite fait. On a mieux nous. Ouais, mais c'est quoi cette tenue là? Ces petits tatouages et tout là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut lui? Il nous suit là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, on va voir là. On n'y va pas. Je sais pas ce qu'il veut derrière, il est en train de nous suivre là. Il est en train de repérer où est-ce qu'on va habiter ou je sais pas ce qu'il fait. C'est un vieux entrepôt. C'est vrai qu'il est bien l'entrepôt, mais c'est un vieux entrepôt. Ah, remarque, tu me diras, on serait pas mal ici. Hein. Ouais, mais c'est trop près de la ville, tu vois ce que je veux dire? Justement, c'est pas si près que ça de la ville. Non! Pourquoi tu as mis une balle de snipe? Il avait une arme dans la main. Il avait une arme dans la main? Ouais. Ah oui,
putain. Ah ouais, t'étais radical, toi. Oh putain, il avait 30 balles sur lui. Alors que... regarde où elle est sa tête, mon dieu. Ce délire. Faites gaffe, les gars. Voiture, voiture, faites gaffe. Vas-y, il a voulu me foncer dedans, lui, il est malade. Oh, espèce de bâtard, vas-y, reviens, je te mets une balle. Il est taré, lui, là. C'est mon pote. Il est parti. Il a failli me foncer dedans. Faites gaffe, il y a une bagnole, les gars. Oh, reviens là, toi. Il y a un mec qui approche. Je le vois, je le vois. Ils sont deux. Ils sont trois. Trois gangsters. Oh, vas-y, va les discuter. Sors ton flingue, va les discuter, tu dis. Tu dis qu'ils doivent plus bouger, ils sont cernés par un sniper. Non, attendez les gars. Attends. Salut les gars, vous faites quoi par ici? Ça va tranquille? Ouais. Donc ça bouille les gars. Passe la banque. Fais tourner. Alors vous êtes malades les gars? Vous faites quoi par ici là? Vous vous shootez? C'est bon ou pas? Putain, il a une AK-47 et un flingue. Un coup de main de là-bas, je vais buter les trois. Tu fais goûter ton machin? Tu peux faire goûter ton machin? Orange, tu sais, le truc orange pour. Ah ouais, oh excellent, trop fort. Attends, je reprends un petit coup. Attends, je vais te la rendre. Comment je fais pour te la rendre? Waouh, les gars, c'est chaud, franchement, votre truc là. Ça fait planer à mort. Je vous laisse, les gars. C'est moi qui l'ai, je t'ai trop démarré. Bon kiff à vous, les gars. A plus tard. I can't remember the last time I had a shower. Waouh, j'arrive, et je suis défoncé là. J'arrive, je suis en train de valzinguer là. Je suis à moitié en train de danser le tango. Shouldn't we be doing something? What? Allez, j'entends des voix dans ma tête maintenant avec ça. Excellent. T'as pas dû en prendre gros. Ouais, j'en ai pris. J'en ai pris deux coups. J'en ai pris deux. C'était. J'en mets une tête de là-bas. Arrête. Non, ils sont sympas. Et s'ils auraient voulu, ils m'auraient buté. Ils avaient une AK-47. Dis-leur s'ils cherchent du monde. J'entends des voix là. Demande-leur s'ils cherchent du monde. Attends, ils sont en train de se défoncer. Tu crois vraiment qu'ils cherchent du monde? I feel it. Putain, j'entends des putains de voix avec ce qu'ils m'ont filé là. Attends, je vais tirer un. Il était puissant leur machin. Arrête, tire-moi pour là-dessus. Ah ouais, je te l'ai envoyé hein. When this is all over. Ah, who am I kidding? Comment on fait pour le portable, pour activer le portable? Comment on fait? Tu restes appuyé sur R. Putain, c'est à quelle heure que ça s'en va les effets de la drogue là? SMS. You feel it? I feel it. Je clique sur SMS, ça veut rien faire. Ah, excellent. J'entends des voix avec ce que j'ai pris là. Looks to me like things are getting worse, not better. Ils arrivent. Je sais pas ce qu'ils font, ils arrivent là. Attends. Ils bougent. Je sais pas s'ils nous ont vus, je pense qu'ils nous ont vus. C'est quoi ton numéro de téléphone? Demande-lui son numéro de téléphone. À qui? Jonathan là. Tu l'as quand tu restes appuyé sur R, tu vas dans Directory et tu cherches son nom. Ils sont partis en face. C'est bon là, moi les effets de la drogue c'est fini là. Là vas-y, ils sont en face. Vas-y, on va voir un peu les baraques là-bas. Pour les erreurs que j'ai là-bas. T'as des erreurs là? Ouais, j'en ai une ou deux mais c'est rien. Ah non, moi j'en ai pas du tout, moi j'ai coché toutes les add-ons. Hein. Vas-y, ah putain, moi aussi il me faut de la santé. J'aime pas tellement ici. Ouais, mais il faudrait que je refasse tout ça. Faudrait que je recoche le truc. Ah ouais. Putain, t'es où? Moi, j'ai pris le pont. Et il est où notre collègue qui était avec nous là? Oh le délire, je vous ai perdu. Moi, je suis resté dans l'hôpital. Moi, je suis dehors de l'hôpital. Tu vas. Là, je suis passé sous le tunnel en face de l'hôpital. Bien, Chanel. Je suis à côté du lac, il y a une maison. Ouais, bah vas-y, continue. Je suis juste à côté du lac, là, il y a une maison. D'ailleurs, il y a un mec sur le ponton, là-bas. Je sais pas ce qu'il fout. Il est où? Il est sur le ponton. Ah, bah t'es là, je suis à côté de toi, regarde.
Ah, je crois que c'est le vendeur de bateau. Je suis juste à côté de toi. Sorry. 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 Ah non, lui, c'est. Lui, faut y vendre du bois en fait, je pense. Ouais, je pense. Ah ouais. Ouais, c'est quand ouais, c'est quand tu veux faire du bûcheronnage ici. Ouais. Oh, c'est pas mal, c'est sympa. Faut par tes gueules, hein. Ouais, ouais, putain, fais gaffe, c'est habité ici. Y'a une bécane. Qu'est-ce qu'on fait? On se la fait? Je peux te la refaire. Attends, attends, je vais voir si le mec il est là. Vas-y, vas-y. Vas-y, monte. Attends. Oh merde, elle a plus de vie, elle a plus de vie. Elle a plus de vie. Sérieux? Vas-y, vas-y, attends, on regarde si le mec il est là. Elle est vide la baraque là. Ouais, elle est vide. Merde. Elle est vide, y a plus de vie dans la bécane. Il est où le mec? Il est où notre pote? Je sais pas où il est justement, putain, on l'a perdu. T'es où? Ah oh ouais, yes. Là. Putain, on a vite fait de se perdre là-dedans. Je vais voir s'il m'a répondu. Il m'a pas répondu par message. Il y a une baraque là-bas. Peut-être qu'on pourrait s'installer là-bas, je sais pas. Pas après, faut qu'on va en ville, hein. Ouais, mais là, on est loin de la ville, là. On est parti loin de la ville, hein. Ah, mais de toute façon, il faut détruire les trucs, hein. Ah, voilà, c'est ici. Quartier résidentiel, là. Vas-y, vas-y. On va aller voir là-bas. Fais gaffe, parce que je pense que les trois gangsters de tout à l'heure, ils se sont foutus par là, tu vois. Regarde, ils sont là-bas, les trois gangsters de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On range les armes, là? Là, on peut ranger les armes. Vas-y, vas-y, on range les armes. Ouais, vas-y, attends, on va voir déjà dedans. Ouais, ouais. Ah, voilà, c'est autre chose, là. Yes. Ah, celle-là, elle est belle, la villa. Allez, c'est pas mal ici, c'est stylé. Attends, je regarde où ils sont, les gangsters, là. Ah ouais, viens voir. Vas-y, j'arrive. Ah ouais, stylé ici, trop fort. Excellent. Avec une bagnole ici, on peut foutre. Oh, comment que c'est stylé ici. T'as vu? Trop bien. Ah ouais. On va voir les autres, on va voir les autres pour voir une fois la gueule, tu vois. Ils ont... Vas-y, t'es où? T'es sorti? Je suis sorti dehors, ouais. Je crois que c'est la plus belle, je crois. T'as l'autre maison en face, ouais, c'est là. Vas-y, je te suis. Ah, celle-là aussi, elle pète, celle-là aussi, elle pète. Ah ouais, en fait, je crois qu'on va prendre celle-là, elle est mieux. Ouais, celle-là aussi, elle est pas mal, hein. Elle est beaucoup mieux, celle-là, je trouve. Petite cuisine américaine et tout, tranquille. Ouais, elle est beaucoup mieux, ouais, si. On prend celle-là. Y'a moyen de se mettre bien ici, là. Eh, hey, y'a un petit jardin en plus. Attends, je sais pas si le jardin il fait partie de la baraque par contre. Non, moi tu peux le visiter, non, moi il. Bon, je l'achète ou pas? Vas-y. Ah, ouais, puis je l'ai acheté. Je regarde s'il y a personne dehors. Vas-y, je vais poser 2-3 printers là. On peut pas, va les poser. Ah ouais, merde, putain, c'est vrai. Ah ouais, mais attends, les miens ils ont explosé, je crois. Non, t'en avais mis hein, là-bas. Ouais, mais j'en avais mis qu'un, je crois. J'en ai au moins deux qui ont explosé. Bah, je vais te dire ça, c'est simple. Si j'arrive à en acheter. Ouais, tu vois, déjà, je peux en acheter un. Ah ouais, je peux en acheter qu'un, donc j'en ai que un qui a explosé là-bas. On les met là, on les met là, on les met là. Merde, putain, je suis coincé. Ah ouais, j'avais pas vu la pièce en bas. Ah, excellent. Trop fort. Je vais mettre un ventilateur. Voilà, yes, c'est bon. Bon, on va voir nos printers. Vas-y, mais. Putain, ça me fait chier de laisser celui-là encore ici, quoi. Quoi que tu me diras, la batterie, elle est bientôt morte. Donc, dès que la batterie, elle est bientôt morte, il chauffe plus normalement. Non. Ok, donc ouais, c'est bon. Ferme à clé, hein. Ouais. Putain, moi je suis perdu, franchement, là je serais même pas pas où on a envie de vite fait. Elle est là la porte. Ah yes. Ouais, bah pour ouais. Bah, c'était même pas obligé de l'acheter au pire. Ah, quoi que tu me diras, si, vaut mieux. Ouais, vaut mieux l'acheter. C'est pas ses propriétaires aussi, hein. Ouais, yes. Ah, t'es un couvre-feu. Couvre-feu de comme ma gueule, on va aller en ville, qu'est-ce ouais, qu'il y a? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Au pire, si on croise les flics, on se planque. De toute façon, faut absolument qu'on aille en ville là parce que faut qu'on aille récupérer les printers. C'est pas là-bas la ville, hein. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bouge pas, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus, lâche, lâche tout, lâche tout. Bouge plus. On lâche tout. Oh, encore un homme. Encore un autre qui me braque. Tu vas nous suivre? Avance, avance, avance. Je suis avance. Qui là? La maison là en face de nous là, en face de moi là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, suis-moi, 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 suis-moi. Vas-y, dépêche, tu dépêche. Rentres dans la baraque là. Et on va te mettre bien, t'inquiète pas. Voilà, viens tu là, vas t'asseoir bien là, gentiment. Suis-moi, suis-moi.
Allez, vas-y, suis-moi là. Tu te mets dans la porte qui est ouverte là-bas. Dans la salle qui est ouverte, la salle qui est ouverte. Voilà, celle-là. Impeccable. Recule. Une fois. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Allez, bonne journée. Non, ça se sait pas. Ça se sait pas. Les gars, vous avez pas le droit de faire ça, que vous demandez une rançon. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Ouais, t'inquiète, on va demander une rançon. Mille et on te laisse partir. Mais sérieux là, j'ai même pas 500. Bah, tu vas me donner tout ce que t'as. 500 alors. Pas de problème, ça. Voilà, t'es à l'autre. 500 balles, 500 balles, on te laisse partir. J'ai même pas 500. Non, tu vas aller à vous avez pas 30 euros en plus pour faire 500 là? Non, c'est pas ça. Il fout de notre gueule ou quoi? Eh, c'est du foutage de gueule là. Oh, mec. Allez, viens. Pas l'argent que j'ai sur moi là. Allez, sors, vas-y, drop, c'est parti là. Tu lui mets une tête ou pas? Non. S'il drop, c'est bon. Il a droppé quoi? 470. Ouais, c'est honnête. Okay. C'est honnête. Ok, bon, bah, c'est honnête, vas-y. T'as acheté cette maison là ou pas? Ouais. Ok, bah bien joué à toi, parce que maintenant on va te vandaliser tous les jours. Il y aura une taxe. Bon, c'est bah. Il est à nous le quartier, il y aura une taxe ici là. Ah, mais je savais que c'était à vous moi. Ah, j'ai juste un endroit pour planter mes plantations, moi. On peut avoir une protection si tu veux. Aïe. Bah déjà j'ai plus d'argent pour acheter des plantations, donc il faut que voilà. Et 200 ça suffit? Combien qui te manque pour tes plantations? Attends, je te dis ça. Il me dit 1000, je lui mets une tête. Bah en fait pour commencer bien il me faudrait 8$. J'ai déjà commencé. Ah 8. Ah ok. Mais là, 8. Vous m'avez raqueté tout mon argent là. Ah ouais 8. Ouais. Bon vas-y, on y passe 200 balles chacun, au final on ira en ce qu'il nous a donné. Non, on lui donne que 100 balles, c'est tout. On lui donne que 100 balles. Vas-y, on lui donne 100 balles, vas-y. Voilà. Ah bah merci, bah là je pourrais bien commencer. Voilà. T'as intérêt de rester ici parce que petit Gérard m'a vu, on t'a fait, t'as compris? Il faudrait que j'enlève cette étiquette là. Ouais, faudrait que t'enlèves cette étiquette, pas de problème, bah oui. Hein. Enlève ton badge. Hein. T'es droppé par terre là, t'as 100 balles là. J'ai rarement vu, voilà, enlève son badge. On voit toujours. Ah, on voit toujours. Ok, il dépense un petit peu de la poche, hein, mais bon, disons que ça fera l'affaire. On revient. Tu nous reverras. Eh, vous avez dit combien? 50%? 50%. Eh, ouais, mais on te protège bien. Hein. On te protège bien. Alors, ça te va comme protection? Ah, j'ai vu ça. Ah, t'as vu? Y'a de la protection là, y'a du lourd. Eh ouais, vas-y, on va en ville, on le laisse tranquille. Allez, bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée. Il lui dit 50% en partant, bah ouais. On va aller récupérer les printers. Par contre, attends, on devrait ranger les armes là, on arrive en ville. Hein. Ouais. T'arrives avec ton snipe là, tranquille, au calme. Il devrait pas avoir un couvre-feu normalement? Couvre-feu, je sais pas s'il est bien respecté, c'est Bagdad ici. Hein. C'est un gangster lui. C'est un gangster. C'est qui fait le fou ici? Attends, vas-y, faut qu'on mette. Toi t'as l'air d'être un fou. Police, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Attends. Y'a un mec qui me parle. Viens voir. Comment ça, je suis un fou? Oh, dis-moi toi, dis-moi là. Comment ça, je suis un fou? Viens voir. Oh, Jonathan! Passe-moi 1000$ là, député. Oh, Jonathan, il est devenu producteur. Regarde-moi là. Oh, Jonathan. Bouge plus. Ouais. Je te menace, je te prends ton téléphone, tout. Hey. Tu bouges plus, tu prends 1000$, tu te dépêches. Moi, tu sais quoi? Comme tu l'as dit, je suis un ouf, mec. Je suis un fou, moi. Oh,